Tout tournait encore bien rond pour les enfants de nos régions. Il y avait un amusement qui était certes fort plaisant. C'était jouer au train électrique. Les parents, mordant sur leur chic, m'avaient payé quelques wagons. Et pour en faire l'attraction, une loco du bon vieux temps, comme l'ont connu nos grands-parents. Rail, aiguillage, etc. firent l'affaire de mon papa, qui, sur une plaque de bois, leur donna une place de choix. Puis s'ajouta le paysage, un cours d'eau et un charbonnage, et un terri et un coron, et des gens près d'un petit pont. La loco traçait son sillage au creux d'un val, près d'un village aux murs pastels, aux toits de cendre, qui ressemblait à s'y méprendre à notre beau pays wallon, d'où a disparu le charbon. Mon train aussi a disparu. Au fil du temps, on l'a vendu. En me promenant, un beau jour, soudain mon sang ne fit qu'un tour. J'avais entendu un tutut. Alors, fouinant par habitude, j'ai regardé derrière la gare. Je vis entrer en fanfare, mignonne et puissante à la fois. Sur le coup, j'en restais pantois. Grandeur nature est si massive, ma superbe locomotive. J'étais passé à la bonne heure pour voir un vrai train-vapeur.